C'est Sniper, allez je vous présente aujourd'hui, mais c'est quoi ce bordel numéro 14. Alors avant même de commencer, bon vous avez vu une petite compile en musique, c'est vrai que j'ai pris l'habitude maintenant de faire ça. Alors dans cette vidéo vous allez voir quand même plusieurs courses bien marrantes où c'était quand même un petit peu fouillis, il faut reconnaître. Et puis avant même d'aller plus loin dans mon commentaire, j'avais envie aussi de signaler que j'ai eu des petits bugs avec ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que en faisant une mise à jour de Google Plus, là, je me suis un petit peu paumé, je retrouve plus rien. J'espère que je vais arriver à mettre cette vidéo sur ma chaîne normale, mais en attendant, par un moment, j'avais plus rien du tout, je trouvais même plus d'abonnés, c'est comme si j'avais eu une nouvelle chaîne. Apparemment, ça a l'air d'être rentré dans l'ordre, donc j'espère que tout ira bien. Voilà, donc ce petit Stade Waluigi, vous avez vu qu'il est assez agressif. Alors, à noter la présence aussi de certains joueurs de ma roster, dont NZX, là, qui m'en veut, là, parce qu'il n'arrête pas de me rouger, alors que j'ai rien du tout. J'étais un petit peu pas très content de son comportement dans ce monde, pas que sur cette course, mais sur plusieurs courses. C'est pour ça que s'il regarde cette vidéo, j'en profite pour lui annoncer que je l'ai delete de ma roster.
par rapport à un comportement, ça faisait déjà, il était pas très très actif dernièrement, j'ai très très peu joué avec lui. Et puis de toute façon on jouera encore ensemble, hein. Il y a d'autres personnes que nous avons en commun. Mais là en plus le comportement n'était pas très cool quoi, il était beaucoup beaucoup agressif avec moi. Donc c'est vrai qu'il y a des jours, bah voilà, c'était pas le jour. Il y a des jours où je suis plus susceptible que d'autres. Je suis un gros râleur, tout le monde le sait. Et il va falloir que je me calme, mais à chaque fois que je dis ça, et ben j'y arrive pas. Je suis désolé. Bah ça fait partie de mon tempérament. C'est pour ça que j'ai décidé maintenant, pour plus râler, et ben de devenir quand même beaucoup plus agressif avec les autres personnes. Puisque de toute façon les autres ne se gênent pas pour l'être avec moi, comme ça j'aurai plus de raison de me plaindre. Voilà, donc vous avez vu un petit peu cette course là jusqu'à la fin, il m'a encore backspammé ce rouge, alors il pensait pas que c'était moi, il me l'a dit sur YouTube, il y a pas de problème, c'est pas que sur cette course, je suis quand même pas comme ça, il y a eu plein de petites choses, et puis aussi quand même grande partie du fait qu'il soit pas trop actif quand même. Ah, pour commencer ce petit supermarché Coco, comme vous avez vu, je m'amuse avec les rampes. Donc je fais du freestyle sur les rampes. Voilà. Bon, j'espère hein, que Xinx m'en voudra pas. C'est pas méchant envers lui. Hein. Voilà, c'est juste que fallait quand même que je l'avertisse. Puisque moi j'aime bien qu'on me dise quand les gens me délaitent de leur hauteur. J'aime bien aussi que... j'estime que c'est tout à fait normal d'avertir les gens. Alors je vous vois déjà venir tous à me dire ben puisque tu as des Lightning Zix c'est que tu as une place de libre. Alors non, j'ai une liste d'attente qui est tellement longue que je n'ai pas de place. Hein, c'est pas la peine de me demander en ce moment d'être ajouté dans ma roster. J'ai pas de place, je suis full. J'essaye malgré tout. Tout le temps, en plus j'aime pas trop delete les joueurs quand même, là vous voyez, là je suis obligé de dire à Inzix que je les delete, un petit peu aussi sur un coup de tête, mais en même temps je sais que c'est pas très grave parce que je sais qu'il a beaucoup d'autres joueurs qui sont aussi dans ma roster qui sont communs, donc on pourra jouer ensemble, c'est pas comme si je delete quelqu'un qui a pas beaucoup d'amis. Allez, je finis cette course. Alors là une petite fin de course assez marrante. Alors là sur le moment j'étais en train de me plaignais un petit peu encore une fois, vous allez dire mais Daou tu vas la jeter ta rouge, tu vas la jeter parce qu'il la jetait pas. Et puis par contre regardez encore une fois qui c'est qui me rouge, c'est NZX là qui passe. Et regardez bien encore ce petit passage là avec ce joueur là, ce joueur ou joueuse là qui s'appelle Andrea. Vraiment une fin de course catastrophique pour moi. Vraiment de la deuxième place, je passe 9e là en un rien de temps avec ce petit combo. BF Juliette aussi a une fin de course un petit peu pas trop cool. Enfin, j'estimais que la fin de course était assez drôle et qu'elle méritait d'être montrée. Une petite prairie me bien marrante. Alors voilà, c'est la nouveauté. Je teste un petit peu toutes les maps avec cette strat de plus en plus. Donc en fait, en général, dans un monde, quand je fais ça, c'est... C'est un petit peu quand je commence à trouver que c'est un peu agressif et que j'essaye de trouver un petit peu les autres solutions pour arriver à jouer, on va dire, un petit peu plus tranquille. Donc là, bah, c'est sûr, en faisant comme ça, je suis gêné par personne puisque les joueurs sont loin devant. Et là, on va arriver, regardez, Gisco qui est là, qui était dans ce monde-y, vraiment... un beau Mondi, Barbara, Mika devant que je connais pas trop mais que j'ai sur Skype, que je connais pas trop. Sekawin devant, donc Sekawin c'est UFS Win pour ceux qui connaissent, qui a aussi une chaîne YouTube avec des petits Mondi bien sympas. Voilà, il y avait aussi je crois après GT Misery qui nous avait rejoint.
sous le pseudo de GT Dims. Il me semble qu'il était là. Je suis pas sûr. À moins qu'il soit plus dans ces courses-là et qu'il soit parti en IT. J'en sais rien. Allez, on va terminer. Alors, regardez, vous avez vu quand même que ça se passe relativement bien pour moi, hein, cette fin de course. Non, c'est Eva07 qui était avec nous dans le Mondi. Et puis Flo, encore, que vous avez déjà vu aussi. Voilà, Eva07 sur la chaîne Motokusanagi. Ceux qui veulent aller voir un peu aussi des petits montages bien sympas en musique. Alors, c'est un autre style, c'est pas comme moi, hein, c'est beaucoup plus violent comme vidéo. Je dirais presque du interdit au moins de 18 ans au niveau violence. D'ailleurs, ces vidéos s'appellent Brutal Violence. Bon, j'en profite un peu pour faire la pub un peu des joueurs qui sont là. Donc, même Gisco a aussi une chaîne bien sympa. C'est une chaîne... je vais faire un petit effort. Je vais mettre les liens de trois chaînes. Donc, celle de Sekawin, celle de Gisco et de Eva07. Je vous la mettrai. Je vous mettrai le lien de ces chaînes sur cette vidéo. Gisco qui est là, qui s'arrête. Alors, Gisco plus spécialiste, lui, des concours. Où il est très régulièrement dans les tops mondiaux. Alors Gadjil, oui, alors je lui avais dit, je me suis un petit peu amusé avec lui. J'avais envie de jouer là sur cette course. Et puis c'était pas méchant, j'avais absolument rien contre lui, mais j'avais vraiment envie de m'amuser un peu à Schlag. À Schlaguer, comme j'avais dit, j'avais envie de faire le méchant, le gros méchant. Et Gadjil qui est toujours là. Vous allez voir, je vais pas m'arrêter là, je vais encore lui faire une petite bâcherie. Alors j'essaye de rester dans les mauvaises places pour tout vous dire, de manière à finir un petit peu avec des bons items. Alors regardez là, je le pousse un peu dans l'herbe. D'ailleurs je pense que je l'ai un petit peu ralenti. Et puis à n'en pas douter, je pense qu'il va obtenir le choc. Donc moi je vais essayer de combiner maintenant. Donc j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire être dans les mauvaises places à ce moment-là, avec en plus des étoiles, ça c'est le top pour combiner, c'est l'idéal. Et regardez, alors là je joue pas très bien, j'aurais pu continuer à avancer dans le sable tout droit, mais de toute façon le Gisco était déjà quasiment arrivé, donc j'aurais pas pu prendre la première place. Ça n'y aurait rien changé. Voilà, allez, un petit circuit Mario, bah même principe, regardez, vous allez voir plusieurs maps où je fais ce petit truc. Alors ça marche quand même assez souvent, mais ça marche pas tout le temps. Donc voilà, alors là c'était ma journée dans cette session où je l'ai fait plein de fois. Et je peux remarquer qu'en Mondi, je vois pas mal de gens qui ont copié cette technique. Donc c'est marrant de voir des joueurs faire un peu pareil. Et c'est vrai que je dois reconnaître que pour les gens qui n'ont pas une super gestion, on va dire, des items, le fait de faire ça, ils n'ont pas besoin de gérer les items. Puisque en fait, en étant souvent à la traîne, on obtient de bons items. Et on n'a qu'à juste les spammer pratiquement. À part là, vous voyez que ce choc, je l'envoie pas tout de suite. J'attends un peu. J'attends un petit peu au moins de presque démarrer le troisième tour. Il y a GT Mocha qui arrive. Alors là, voilà, et je le... Alors là, c'est volontaire. C'était pour pas qu'il prenne un item. C'était pour l'embêter un petit peu. La Natsumi, je vais lui faire une belle vacherie. Vous allez voir que dans cette vidéo, je lui fais deux trucs bien méchants. C'est pas cool de faire ça. Sniper, tu deviens un vilain garnement. C'est pas bien. Flo qui est là, je le vois au dernier moment qui a une rouge. Je dis, je vais me faire allumer à la fin. C'est pas bon. Je préfère le laisser devant moi. J'avais rien pour me protéger. Si je me prends, si je le double, il va me rouger. Et j'ai bien fait parce que je peux vous assurer que je peux finir vite fait dans les dernières places si jamais je le double et que je me fais rouger. À la fin, comme ça, ça pardonne pas. Alors vous allez voir encore une fois des courses bien. Cette course là, alors bien sûr, hein, vous allez me dire, ce sont des maps qui prédisposent tout à fait à ce genre
de situation. C'est vrai que ces maps-là, les petites maps comme Prairie Meme, Cascade Yoshi et tout ça, il y arrive souvent plein de choses. Mais là, vous allez voir, c'est un petit peu rageant ce qui va m'arriver quand même, parce que je méritais pas. Alors, à commencer le pot, il y a la bleue qui part. Donc jusque-là, tout va bien, je suis sur le point de repartir, sauf que ce joueur-là, avec sa Bill Bacon et son Yoshi, je crois. Non, c'était pas Yoshi, c'était Skelerex, qui me schlag, là, il me casse la roue, il me fait tomber, alors là, c'est fini. Je suis un peu mort pour revenir. Je vais essayer d'avoir quelque chose de bien. Je suis 8ème, j'ai un champi, ça sera pas assez. Maintenant j'en ai que 3, et comme si c'était pas assez, Écor qui vient m'écorcher vif, c'est le cas de le dire. Je fais un petit jeu de mots sur son pseudo, mais franchement il m'a bien allumé pour finir. Le petit build, c'était le build de trop. Allez, on enchaîne sur un N64 Château de Bowser. Alors là, c'était N64 Château de Bowser avec Proto. Alors cette course-là a été quand même assez agressive. Et franchement, même Proto, regardez ce qu'il me fait là. En même temps, c'est de bonne guerre. J'ai essayé de le sniper. Et puis comme vous l'avez déjà vu un petit peu dans les autres courses, dans les autres vidéos où il y avait Proto, on aime bien se faire un petit peu des vacheries. Alors c'est le début de course, c'est pas trop grave quand c'est en début comme ça. S'il me fait ça dans le dernier tour, c'est un peu moins marrant. Là ça va. Et puis d'ailleurs je crois qu'il va rage quit après cette course, parce que lui il est parti devant Front Run, mais je crois qu'il va lui arriver des tas d'horreurs. Mais regardez bien qu'il m'en arrive aussi à moi. Sauf que ça va pas se présenter de la même manière. Alors Django qui est là aussi. C'est Django avec sa Desimotomac. Alors je vais essayer de faire quand même le cut. Hein. J'essaye. Alors je vais un petit peu le travailler, parce que c'est quand même un des cuts qui me saoule de pas savoir. Enfin, c'est pas que je sais pas le faire, c'est. Je tombe et je le rate très souvent, donc je vais vraiment le travailler pour le maîtriser. Alors au dernier moment, j'ai eu le temps de voir Flo qui s'agrandissait là. Par contre, Django a pas été suffisamment vigilant. Alors regardez ce lag là, parce que je me demande comment je fais pour me choper ce zap, parce que moi chez moi. Le joueur qui avait le zap, il tombe du pont même pratiquement, et je le touche pas du tout. Donc je me retrouve à me faire choper par ce zap. Et en plus, comme si c'est pas assez, Django qui arrive. Merci Django qui me fait tomber là. Alors à ce moment-là de la course, avec en plus ce choc qui tombe là, regardez où je suis dernier. Les joueurs sont assez loin devant. Je suis ici, ils sont déjà à l'arrivée. Alors pour vous dire, je suis limite de rage quit carrément tout de suite là. Donc là je tente même pas de faire le cut, parce que je dis si jamais je tombe, j'ai une étoile, c'est même pas la peine. Autant arrêter tout de suite. Et puis vous allez voir que avec les bons items, enfin les bons items, 3 champis c'est pas non plus le Pérou, il y a quand même mieux. Mais pour le moment ça va, j'arrive à revenir tout doucement. L'étoile elle serait idéale. Le choc c'est pas mal, parce qu'à ce moment là allez hop, ah je fais du dégât avec mon choc. Et en plus ça me permet, alors prototype là il a dû lui arriver mais des grosses misères. Et regardez cette bleue, c'est moi qui l'ai envoyé. Proto me file le zap. Alors non seulement pauvre il y regarde, non seulement c'est moi qui lui envoie la bleue, mais en plus c'est moi qui lui refile le zap. Donc autant dire que je lui ai tué sa course. Pour dire que c'était vraiment un beau bordel. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, arriver à finir en troisième position, c'était un peu inespéré. Voilà, et prototype, regardez qui fait 8ème, mais je pense qu'il a rage quit, il a carrément lâché les boutons. Allez, une petite nouveauté, et oui, regardez, vous allez voir que même sur cette map, on peut faire du reverse. Puisque j'ai décidé de tester aussi cette map, je vous ai dit que j'avais décidé d'en tester plusieurs.
Et allez, on est parti pour tester celle-là en reverse. Alors bien sûr, hein, je vais spammer tout ce que j'ai au maximum. Vous allez voir un petit peu, regardez, les joueurs sont partis, sont loin devant. En plus, je vais faire une big fail ici. Regardez, je me fais en plus écraser par... Comme si ça suffisait pas de faire du reverse et d'avoir du retard. En plus, je me fais écraser par le bloc. Alors, 3 champis, je vais pas essayer de faire des mini-jumps pour me lourder. J'ai déjà pris assez de retard comme ça. Allez, on essaie de faire le cut vite, ça passe. Je suis toujours dernier, mais regardez, ça se réduit un petit peu la distance avec les autres joueurs. Sans compter qu'il faut pas oublier une chose, c'est que les joueurs qui sont devant, ils se font un petit peu des vacheries entre eux. Donc ils sont ralentis, regardez ce qui se passe, il y a des joueurs qui volent dans tous les sens et me voilà revenu en 8ème position assez rapidement. Donc un doré, je compte bien dessus pour essayer de faire un cut. Regardez ça, je me retrouve 5ème en arrêt de temps, c'est vraiment pas un peu un miracle ça. Et puis je vois que le cut est bouché, je le vois très tôt, donc très tôt j'active mon doré. Et puis je vais encore faire une faute, regardez, au moment où j'allais pouvoir passer 3ème, j'ai eu peur de ces vertes qui étaient backspammées. Et en plus, un joueur, c'était Django, je crois, qui avait des vertes autour de lui, donc... Totob qui est là. Et qui joue beaucoup en Waluigi. Regardez, je décide de passer sur le petit côté là parce que j'étais sûr que j'allais me faire avoir. Je me méfie de ce joueur là, Grimjo, qui backspammait beaucoup, que je ne connais pas, mais qui jouait très bien. Il m'a fait pas mal de misère. Crazy qui est là aussi, qui jouait bien aussi, qui a bien tiré son épingle du jeu, mais il lui arrivait aussi pas mal de déboires. Et regardez ça, puisque je suis en 4ème position maintenant. Il y a un joueur qui a dû être déco, je sais pas. Et puis là, vous allez voir un petit peu un truc. Alors, Natsumi alors, je croyais qu'il avait dodgé, mais non, du tout, il a pas dodgé. Il est devant, et pour tout vous dire, franchement, alors là, je suis complètement à la rue, parce que pour moi, je pense qu'il a un tour de retard à ce moment-là, Natsumi. Et du coup, je fais même pas attention que c'est lui qui est actuellement qui va se prendre cette bleue. Donc, je vais aller lui envoyer cette rouge-là en pensant qu'il s'est juste pris un backspam. Donc voilà, je m'en excuse encore auprès de Natsumi, désolé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao, ciao.